L'élevage est un puissant vecteur d'intégration économique régionale par le commerce florissant qu'il génère. C'est un secteur pourvoyeur de revenus. Il emploie environ 40% de la population active et constitue une source de revenus pour plus de 70% de la population rurale. L'élevage au Tchad repose sur la mobilité du bétail. Ainsi, cette mobilité exige la disponibilité, la sécurisation des points d'eau dans les zones de pâturage et le long des couloirs de transhumance. Force est de constater qu'aucun mécanisme de financement de l'entretien des points d'eau n'a encore été mis en place, ce qui constitue un frein au développement de nouveaux investissements des partenaires techniques et financiers. L'objectif assigné au Pastor est de concevoir et d'appuyer la mise en place d'un dispositif de maintenance des ouvrages pastoraux reposant sur un mécanisme de financement pérenne. Le ministre de l'Élevage réitère sa gratitude à l'ensemble des partenaires pour leur engagement aux côtés du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno, n'a jamais cessé de donner des orientations pour la mise en place des instruments et stratégies permettant d'augmenter durablement les productions agro-pastorales afin d'accélérer la croissance économique nationale dont le moteur repose sur l'agriculture et l'élevage. Le programme d'appui structurant le développement pastoral intègre et s'appuie sur les orientations des plus hautes autorités du pays.